Le père Agbemé Kodjo, si vous arrivez que vous voyez le père de la nation, le général Gnassingbé Yadema, il faut lui dire de ne pas s'inquiéter, que son fils Faure Sozimna est toujours au pouvoir, qu'il n'est pas prêt de partir. Il peut dormir sur ses deux lauriers, ça ne risque pas d'arriver. 2025 arrive, 2030, il sera toujours là. Que ses plans soient en train de marcher à merveille sur la terre. Oui, le père Agbemé Kodjo, si vous arrivez et que vous voyez le jeune Tavio Amourin, le jeune Tavio Amourin, que nous, on ne l'a pas connu, mais nos parents ont beaucoup parlé de lui. Est-ce qu'il est encore jeune ou bien il a vieilli? Ça, ce n'est pas le problème. Il faut seulement lui dire que moi aussi, j'ai grandi aujourd'hui et j'ai commencé à parler. Oui, le père Agbemé Kodjo, si vous arrivez là-bas, que vous voyez aussi le président Sylvain Olympio, il faut lui dire que les papiers qu'il a signés en 1960, c'était des faux, que la France n'a jamais donné l'indépendance au Togo, même nulle part ailleurs en Afrique. C'était un usage de faux. Que la France n'a pas donné l'indépendance au Togo, que c'était des papiers faux qu'il avait signés. S'il ne sait pas, il faut lui dire ça là-bas. Qu'aujourd'hui, la jeunesse d'Afrique et la jeunesse du Togo sont en train de faire tout et tout pour entrer en possession des vrais papiers originaux. Ce qui n'est pas facile, mais de ne pas s'inquiéter. Il peut dormir sur ses deux lauriers, que ça va se faire. Le père Agbemé Kodjo, si vous voyez le camarade Thomas Sankara, il faut lui dire de ne pas s'inquiéter. Que le jeune capitaine Ibrahim Traoré, mon homonyme, a pris le pouvoir au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a dit, la peur, on ne connaît pas. Il faut dire aussi au président et camarade Thomas Sankara que Ibrahim Traoré, le président, a dit, le jeune président, il faut le dire que les jeunes, il a dit que la paix, il ne connaît pas. Il a dit qu'il ne va pas aussi commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire les mêmes erreurs qu'il avait commises parce qu'il s'est laissé assassiner par son ami. Parce que pour lui, on ne trahit pas l'amitié. Ibrahim a dit que ça ne va pas se faire. Que ça ne va pas se faire. Que c'est fini ça. Oui, que c'est fini. Le père Agbemé Kodjo, j'oubliais, si tu arrives là-bas que tu vois ma mère et ma soeur, il faut leur dire que de ne plus s'inquiéter. Enfin, j'ai trouvé un travail. Je fais les vidéos que je publie sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les gens ne me laissent pas la vie facile, mais est-ce que moi-même je suis facile? Le père Agbemé Kodjo, si tu arrives et que tu vois le président François Mitterrand et tous ses consorts, il faut leur dire que la politique France-Afrique, c'est fini. Que c'est fini le paternalisme. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller. Le Burkina, le Niger, le Mali, la Guinée-Conakry, la Centrafrique, nous sommes tellement fiers. Oui, que c'est fini. Le père Agbemé Kodjo, enfin, si tu arrives et que tu vois le président, le grand président Mohamed Kadhafi, il faut lui dire qu'aujourd'hui, ses enfants sont en train de le pleurer, que le peuple libyen est en train de le regretter, mais de ne pas s'inquiéter, que c'est bien fait pour eux. Mais malheureusement, c'est toute l'Afrique qui est en train de subir, mais quand même, c'est bien fait pour nous. Monsieur Agbemé Kodjo, le père Agbemé Kodjo, si tu arrives là-bas, il faut te dire toi-même que tu n'as pas vécu inutilement, que tu as vécu, tu as servi, qu'aujourd'hui tu peux être content de partir, pars en paix et repose en paix. C'était à ma manière de te rendre hommage, grand homme.